Une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, avec à la tête le directeur provincial Grand Katanga, Flore Hubert Mwamba, a rencontré la gouverneure de province, honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Cette délégation est venue dévoiler l'objet de sa mission dans la province, celle d'inspecter la nationale numéro 1, axe Kaminambu-Jimaï, avant le lancement des travaux. Je suis venu voir madame la gouverneure pour d'abord présenter les civilités, parce que j'ai effectué une mission dans la province du Haut-Lomami, la mission qui m'a conduit de Kamina à Kanyama jusqu'au-delà de Kanyama. Je suis venu visiter la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kamina, Kanyama et Mweneditu, en prévision des prochains travaux qui doivent se dérouler sur ce tronçon de la nationale numéro 1. Alors, nous sommes venus voir Madame la gouverneure pour justement lui donner l'information, parce que c'est elle qui a la gestion de la province. Elle devrait savoir les différents projets importants qui se déroulent dans sa province. Alors, en prévision du début des travaux, avant la tombée des grandes pluies, nous avons préféré venir lui donner cette information. Ici, l'exécutif provincial a de prime abord salué la vision du chef de l'État, celle d'avoir activé toutes les batteries pour la réhabilitation de cet axe où une grande partie du Haut-Lomami est concernée. Rappelons que le directeur de la CGT Grand Katanga était accompagné de ses collaborateurs basés à Kamina.